gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni encore ce matin pour le renouvellement de sa grâce. Que le Seigneur soit béni pour le renouvellement du souffle de vie dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Shalom. Que Dieu vous bénisse, c'est ce que vous m'entendez. Shalom. Que la paix et la grâce de Dieu puissent vous localiser ce matin au nom puissant et précieux de Jésus. Quelqu'un qui m'entend peut manifester cela en envoyant des failles, des failles, des failles dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Shalom. 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 Bonjour et bon matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que la grâce de Dieu puisse vous localiser. Shalom. Que le Seigneur se manifeste puissamment dans vos vies, dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer le Seigneur ce matin? Acclame Dieu bien. Il mérite la gloire et la louange. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux. Connecte-toi, like la vidéo, partage, réveille quelqu'un, un frère, une soeur, un compagnon de prière. Dis-lui que nous sommes déjà dans la présence du Seigneur et que le Seigneur manifestera sa gloire et sa puissance dans nos vies encore au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni encore ce matin. Bien-aimé, prépare aussi ta sainte scène. Tu prépares le pain, tu prépares le fruit de la vigne. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous rentrons dans la prière, dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, tu prépares ton jus de raisin, tu prépares le pain. Nous voulons, bien aimé, prier ce matin. C'est des prières puissantes, des prières de combat spirituel, des prières pour consacrer sa journée entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. Celui qui sait commencer sa journée par la prière, dans la présence de Dieu, celui qui consacre à Dieu ses jours, bien aimé, a ses journées toutes rassurées, sécurisées. Tout est dirigé, conduit par le Seigneur dans le nom de Jésus. Lève-toi, mon aimé, parce que lorsque toi tu dors, c'est là où l'ennemi prend place. Quand toi tu te laisses aller par les soucis, par les réalités, par les combats, par ce que toi tu vis, bien aimé, c'est là que l'ennemi prend le dessus. Lève-toi pour prendre, bien aimé, dans le Seigneur, toutes les armes de Dieu et combattre le bon combat et obtenir la victoire au nom de Jésus. Lève-toi dans la présence de Dieu, ne te décourage pas. Toi qui dors, qui dis c'est fini, Dieu m'a abandonné, j'aimerais te dire, il ne t'a pas abandonné. Lève-toi, tiens-toi debout dans sa présence, tiens-toi debout. Lève-toi, lève-toi. Toi qui vas à ton travail, que Dieu soit avec toi. Toi qui es dans les transports, que le Seigneur t'accompagne. Toi qui es déjà sur ton lieu de travail, que le Seigneur se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui as des défis à relever en ce jour, que le Seigneur soit avec toi en toutes choses. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais que tu pries avec moi et que tu fasses avec moi cette puissante déclaration de foi. J'aimerais que tu répètes avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan, le diable, viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan, le diable, me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, avec moi, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier.
génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prendre le pain et le jus de raisin. Nous allons prier pour la Sainte Cène. Pendant que nous prions pour la Sainte Cène, bien-aimé, tu vas prendre la Sainte Cène. Ensuite, nous allons continuer encore dans la présence de notre Seigneur. Prends le pain, tu prends le jus de raisin. Nous allons prier pour sanctifier ce repas, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il nous a laissé la Sainte Cène, il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et à chaque fois que nous prenons le corps et que nous buvons le sang de Jésus, nous le faisons, bien-aimé, parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour nous. Il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté nos malédictions. Son sang a coulé pour que nous puissions avoir la vie. Voilà pourquoi lorsque nous prenons la Sainte Cène, nous devons réaliser, discerner, bien-aimé, l'acte que nous sommes en train de faire. C'est un service qui est puissant, c'est un service qui est spirituel, c'est un service qui active encore la puissance et la gloire de Dieu dans nos vies. C'est un service qui nous connecte au surnaturel, à la divinité, à la puissance et à la gloire de Dieu. Donc lorsque tu fais la Sainte Cène, ne sois pas dans la distraction, parce que c'est un moment d'échange spirituel avec le Seigneur, c'est un moment d'échange spirituel avec la puissance de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec le surnaturel. Et lorsque nous le faisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans nos vies encore, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. J'aimerais que tu pries avec moi, tu prends le pain, tu prends le jus de raisin et nous sommes en train de prier maintenant. Bien-aimé, sois concentré, sois connecté à la prière que nous sommes en train de faire ce matin. Et le Seigneur va te faire bénéficier et hériter des avantages et des bénéfices de cette Sainte Cène au nom de Jésus. Je prie que la Sainte Cène de ce matin ne soit pas un acte banal, non, pas du tout. Que ce ne soit pas un acte habituel où on a l'habitude de faire, on fait la Sainte Cène le matin, non. Mais que ce soit un acte de puissance qui témoigne et qui manifeste la puissance de Dieu dans ta vie, qui est un sceau que tu appartiens à Dieu, que ta vie appartient au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur avec moi, tu peux prier aussi là où tu te trouves, tu peux prier avec moi, tu peux prier toi-même, bien-aimé, en consacrons le corps et le sang de Jésus à Dieu ce matin. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel des armées, je viens ce matin, dans ta présence, te présenter, Seigneur, cette sainte scène, cette table éternelle à laquelle nous voulons participer ce matin. Au nom de Jésus, que cette table soit bénie, que cette table soit sanctifiée. Je prie que le pain que nous prenons, Seigneur, ce matin, devienne le corps de Christ et que ce jus de raisin devienne le sang de Jésus. Père, je prie que par le corps et par le sang de Jésus-Christ, je puisse recevoir l'ADN et l'identité divine. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que par le sang et le corps de Jésus-Christ, ma vie appartient à Christ maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute semence que l'Éternel n'a pas plantée, qui est entrée dans mon corps, maintenant quitte et laisse place au Saint-Esprit et à la puissance de Dieu maintenant, au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, par le corps de Jésus. Je viens maintenant condamner toute nourriture maléfique que j'ai mangée le jour, la nuit, par le sang et le corps de Jésus. Je viens anéantir tout pouvoir des ténèbres qui a été déposé en moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par le sang et le corps de Jésus-Christ, je déclare que ma vie appartient à Dieu. Maintenant, aucun sorcier, aucun agent des ténèbres, aucun envoûtement, aucun plan satanique ne va avoir de l'ascendance dans ma vie, au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus parle dans ma vie, crie dans ma vie, mieux que le sang d'Abel. Je déclare que je suis racheté. Je déclare que je suis sauvé. Je déclare que je suis béni. Je déclare que le sang de Jésus enlève la malédiction du sang de mon père, enlève la malédiction du
maison de ma mère, enlève l'héritage satanique que j'ai reçu, l'héritage des maris de nuit, l'héritage des esprits des eaux, l'héritage de la pauvreté, l'héritage de la sécheresse, l'héritage des limitations, l'héritage des blocages. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus que par le sang de Jésus-Christ, ma vie tout entière est scellée à celle de Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je prie ce matin par cette Sainte-Seine. Seigneur, toute parole maléfique qui a été prononcée dans ma vie pour me détruire et me déstabiliser maintenant, Seigneur, n'a aucune place au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus-Christ en moi va me faire vomir tout ce que j'ai mangé, toute nourriture que j'ai mangée, toute boisson que j'ai bu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que ma vie appartient maintenant au Seigneur, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, le sang de Jésus-Christ assainit mon environnement, assainit ma maison, assainit mon lieu de travail, assainit la route que je vais emprunter. Au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ vient maintenant, vient humilier le diable, vient humilier la maladie, vient humilier l'échec, vient humilier la honte, vient humilier le blocage, vient humilier les plans sataniques contre moi. Au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ maintenant appelle la vie, l'abondance, la guérison, le miracle, la restauration, la santé, la prospérité, l'élévation, le succès. Au nom puissant et précieux de Jésus, le sang de Jésus-Christ maintenant arrête les traits enflammés du malin contre ma vie, contre mes enfants, contre mon foyer, contre ma destinée, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prends la Sainte-Seine, tu la réserves, nous allons la prendre à la fin de notre prière matinale. Tu vas prendre la Sainte-Seine, tu vas prendre le corps et le sang de Jésus à la fin de notre prière de ce matin. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu te trouves, bien-aimé. Tu es en train d'élever ta voix, tu es en train de bénir le nom de Jésus. Tu élèves ta voix, tu rends grâce à Dieu, tu élèves ta voix, tu célèbres le nom de Jésus. Dieu Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, je vis. Merci parce que ce matin, je peux entendre. Ce matin, je peux parler. Ce matin, je peux voir. Ce matin, je peux écouter. Je te rends grâce parce que tu es mon Dieu. Je te rends grâce parce que tu es mon Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es mon roi. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier le Seigneur. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Bien-aimé, sois concentré. Ce n'est pas le moment de se laisser aller au découragement. Ce n'est pas le moment de commencer à pleurer. Ce n'est pas le moment de commencer à dire « je laisse tomber ». C'est le moment de se lever dans la présence de Dieu. C'est le moment de se lever dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. J'entends quelqu'un en train de monter dans la prière. J'entends quelqu'un en train d'élever sa voix. J'entends quelqu'un en train de bénir le nom de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Come on. Ramara shari rebesai, ronda kaya mashe, ikarebe sanda bababa, roma sharanda rabase, rekanti abasai. Père, au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, je viens te rendre gloire. Je viens élever ton nom. Je viens bénir ton nom. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de notre salut, sois béni encore pour le renouvellement du souffle de vie. Mon âme te loue et ne veut oublier aucun de tes bienfaits. Oui, ce matin, Seigneur, je viens apprécier ta grâce dans ma vie. Seigneur, tu me donnes et tu m'as renouvelé le souffle de vie. Seigneur, mon Dieu, pour cela, je viens te dire merci. Seigneur, pour cela, je viens te célébrer. Pour cela, je viens apprécier ta grâce, Seigneur. Jésus, je te dis merci parce que tu gardes mes enfants. Je te dis merci parce que tu gardes mon mari. Je te dis merci pour la famille que tu m'as donnée. Je te dis merci pour les enfants que tu m'as donnés. Je te dis merci pour le travail que tu me donnes. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la santé que j'ai. Jésus, je viens apprécier cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois béni, éternel des armées. Sois élevé la nuit du Dieu.
Sois élevé le Seigneur du Seigneur. Sois élevé le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, mon âme te célèbre maintenant. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'exaltation. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Jésus, nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, élève ta voix, parle à Dieu. Parle au Seigneur ce matin. Dis à Dieu, Yahweh, tu es merveilleux. Éternel, tu es bon. Si je suis là, c'est par ta grâce. Si je peux me lever, c'est par ta grâce. Bien-aimé, rien de ce que tu as, tu ne l'as par toi-même, ni par tes propres efforts. C'est la grâce de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi apprécie la grâce de Dieu. Apprécie, c'est lui qui est l'auteur de tout ce que tu as, l'auteur de tout ce que tu es, et aussi celui qui est le consommateur de ta foi. Alors ce matin, parle à Dieu. Tu dis au Seigneur, je suis ce que je suis parce que toi tu es là. Je suis là où je suis parce que toi tu es là. Je peux faire ce que je fais parce que toi tu le veux. Voilà pourquoi je te suis reconnaissante, Yahweh. Voilà pourquoi je te suis reconnaissante, Éternel. Voilà pourquoi je te suis reconnaissante, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Sois béni, sois élevé au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu veux, c'est ce qui va arriver. Ce que tu parles, c'est ce que tu vas expérimenter. La Bible déclare dans Philippiens 2:11 que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas commencer à confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est le roi. Bien-aimé, appelle Jésus, dis à Jésus qu'il est le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu es en train de l'inviter, il prend place. Lorsque tu es en train de l'inviter, tu dis que c'est lui qui est le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui dirige. Le Seigneur, c'est celui qui est le chef, c'est celui qui commande, c'est celui qui prend le contrôle, c'est celui qui règne en fait. Et celui qui est le Seigneur de ta vie, c'est celui qui est le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu confesses que Jésus est Seigneur, que tu confesses que Jésus est le roi, que tu confesses que Jésus est l'Éternel des armées. Il est tout pour nous. Bien-aimé, confesse ce matin pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses. Je ne sais pas si tu es en train de passer par la maladie. Je ne sais pas si là où tu te trouves, tu es seul. Je ne sais pas si en ce moment, bien-aimé, tu vis des difficultés. Je ne sais pas si tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, que c'est noir, c'est sombre autour de toi, qu'il n'y a rien. Mais j'aimerais que tu puisses confesser. Bien-aimé, dans cela, Jésus est Seigneur. Dans cette situation, Jésus est Seigneur. Dans la maladie, Jésus est Seigneur. Il a le pouvoir de tout changer. Dans le manque que je peux avoir en ce moment, Jésus est Seigneur. Il va me donner les capacités de pouvoir sortir de cette situation. Il va ouvrir les portes. J'aimerais que tu puisses confesser et que tu puisses déclarer dans ta bouche ce matin que Jésus est Seigneur. Commence à parler, commence à déclarer, commence à prier. Et tu es en train de dire, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix. Tu es en train de prier le Seigneur. Ramacha Rebesai. Rinda Mayako. Rabababashe. Ikante Rebesanda Bayakai. Remacha Rebesai. Runda Mayase. Inda Reba Santa Yamakam. Réma, maman, tu es mon Seigneur. Seigneur, je confesse, je proclame et je déclare que tu es mon Seigneur Jésus. Je n'ai que toi. C'est toi qui dirige, c'est toi qui conduis, c'est toi, Seigneur, qui as le contrôle de ma vie. Père éternel, ce matin, je t'élève, le Seigneur de ma vie, le Seigneur de ma maison, le Seigneur de mon travail, le Seigneur dans ma santé, le Seigneur dans la vie de mes enfants, le Seigneur dans toutes choses que je fais, le Seigneur, c'est toi Yahweh, c'est toi Yahweh, c'est toi Yahweh, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, c'est toi Jésus, toi qui règnes, tu es Seigneur sur ma maladie, tu es Seigneur Jésus, même lorsque je n'ai pas de travail, tu es Seigneur, même lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je crois Seigneur, que tu es le Seigneur et je confesse que tu es mon Seigneur ce matin dans le nom de Jésus. Je confesse que tu es mon Seigneur ce matin dans le nom de Jésus. Tu es mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Maître, mon Roi, mon Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ramacha rebesai, rinda mayase, rokanta yaba, remamamama, rikante rabasei, au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé, psaume le chapitre 35, nous sommes au verset 2 aujourd'hui. Nous sommes en train de prier, bien-aimé, psaume 35, le verset 2. La Bible déclare dans psaume 35, le verset 2, « Saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier ce matin. Tu vas dire, « Seigneur, saisis le petit. » Et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Là où, Seigneur, on m'attaque, là où on me combat, là où les armées se lèvent contre moi, là où il y a des projets contre moi, Seigneur, lève-toi, saisis le petit. Ça veut dire, arme-toi, Seigneur, arme-toi pour me secourir. Viens à mon secours, viens me secourir. Viens m'aider, viens me faire sortir de cette situation, viens me faire sortir de ce problème. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi, saisis le bouclier. Seigneur, saisis toutes les armes, Seigneur mon Dieu, pour que je puisse être secouru dans cette situation, pour que je puisse être secouru dans ce problème, pour que je puisse être secouru, Seigneur, dans cette situation, dans cette maladie, que je reçoive la guérison. Seigneur, lève-toi, saisis le petit et le grand bouclier pour me secourir. J'aimerais que tu pries sur ce verset. Nous sommes en train de prier et tu es en train de déclarer. J'aimerais que tu puisses explorer ce verset dans la prière. Tu puisses prendre ce verset, ce texte, ce bout de texte que nous venons de lire. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. J'aimerais que tu dises à Dieu, lève-toi pour me secourir. Dans ce verset-là, bien-aimé, explore ce verset dans la prière. Parle à Dieu sur la base de ce verset. Dis à Dieu, lève-toi, lève-toi. Prends les armes qu'il faut parce que le combat est dur, parce qu'ils se sont acharnés contre moi, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne vont pas me laisser, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne veulent pas me laisser. Seigneur, lève-toi maintenant parce que c'est toi qui défends ma cause. C'est toi qui me défends quand mes ennemis s'élèvent. Lève-toi pour me secourir. Je suis exposé. Je n'ai personne. Tout le monde attend ma chute. Mais toi, tu es celui qui peut me secourir. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi pour me secourir. Verset 3, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Au nom puissant et précieux de Jésus, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Ramachanderebe. Bien-aimé, tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de dire à Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Arme-toi, Yahweh. Arme-toi, Yahweh. Mes ennemis, ils sont nombreux. Mes ennemis, ils sont nombreux. Ils sont cachés, certains. Ils sont dévoilés, d'autres. Mais ils sont nombreux. Ils sont là, Seigneur mon Dieu, pour me faire tomber. Viens me secourir, Seigneur. Viens me secourir parce qu'ils m'ont tendu des pièges, parce qu'ils me tiennent, parce qu'ils veulent me voir échouer, parce qu'ils veulent voir le malheur frapper ma maison. Seigneur, viens me secourir. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi ce matin. Éternel, viens me secourir là où mes adversaires sont nombreux. Viens me secourir là où mes adversaires ont pris place. Viens me secourir là où mes adversaires siègent, Seigneur. Viens me secourir, Yahweh. Viens me secourir, Yahweh. Viens me secourir, Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens me secourir. Éternel des armées, secours-moi, Seigneur, Père éternel. Défends ma cause, Yahweh. Défends ma cause, Yahweh. Défends ma cause, Yahweh. Défends ma cause, Yahweh. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Défends ma cause, Yahweh. Défends ma cause, Yahweh. Défends ma cause, Yahweh. Viens me secourir, Seigneur. Là où ils m'ont mis, ils m'ont abandonné, ils m'ont laissé tomber, ils m'ont exposé. Seigneur, exposé à la maladie, exposé à l'échec, exposé à l'humiliation, exposé à la honte, exposé au malheur, exposé à la maladie, exposé à toute forme, Seigneur, mon Dieu, de plan maléfique. Père, viens me secourir. Sors-moi, Seigneur, mon Dieu, de là où on m'a mis. Sors-moi, Seigneur, de là où on m'a mis.
Je prie pour mon fils, je prie pour ma fille, je prie pour mon mari, je prie pour ma femme. Seigneur, fais-nous sortir de là où le diable nous a mis, là où il nous a exposés, là où les sorciers sont venus nous enfermer. Au nom de Jésus, secours-nous, Seigneur, de là où les adversaires se sont complotés pour nous mettre en prison. Au nom de Jésus, Ramacharebesai, Randekarababa, Remachandamayase, Ikamarabacharebesai, Randamayake, toute prison dans laquelle j'ai été déposé, toute prison dans laquelle ils ont mis mon enfant. Seigneur, dans les addictions, toute forme d'addiction, toute forme d'addiction, et Randemayasha, je prie que le Seigneur te délivre de toute forme d'addiction dans laquelle le diable t'a mis, où il t'a imposé de vivre dans cette addiction pour détruire ta vie. Que le Seigneur vienne te secourir. Je parle à quelqu'un qui est en train de prier pour son enfant, qui dit, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où il va, mais le Seigneur est en train d'intervenir maintenant. Il te fait sortir de ces prisons. Il te secoue de ces prisons. Il secoue tes enfants de ces prisons. Ce matin, parle à Dieu. Tu dis, Seigneur, cette situation est trop forte. Seigneur, c'est trop fort pour nous. Seigneur, je me retrouve bloqué. Mes ennemis m'ont bloqué. Ils m'ont limité. Ils m'ont enfermé. Les sorciers m'ont enfermé. Les lois de ma famille m'ont enfermé. Seigneur, dans cette prison, je n'arrive pas à m'en sortir. Je me bats, mais je n'arrive pas. J'essaye par moi-même, mais je n'arrive pas. Seigneur, viens me secourir. Bien-aimé, invoque l'Éternel. Parle à Dieu. C'est lui qui est capable de te délivrer. Il est capable de te délivrer du filet de l'oiseleur. Il est capable de te secourir là où on t'a oublié, on t'a abandonné. On ne fait plus cas de toi. On a laissé ta situation. Personne ne s'en occupe, personne ne se préoccupe de ça. Il est celui qui est capable de venir te secourir. Ce matin, parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, viens me secourir, Yahweh. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Viens me secourir, Yahweh. Viens me secourir, Yahweh. Viens me secourir, Yahweh. Viens me secourir, Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ramacharebesai, Randere Kerebe, Rindamayase, Rabababa. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Papa, dans cette situation. Seigneur, si tu me laisses, Père, le monde, Seigneur mon Dieu, va se moquer. Si tu me laisses, les gens vont dire où est son Dieu. Si tu me laisses, les gens vont dire qu'est-ce que son Dieu fait pour elle. Seigneur mon Dieu, défends ma cause. Seigneur mon Dieu, secours-moi. Ne laisse pas que l'ennemi puisse se taper la poitrine. Ne permets pas, Seigneur, qu'il puisse dire on l'a eu, qu'il puisse dire voilà, elle est finie, qu'il puisse dire voilà, ses enfants sont terminés, qu'il puisse dire voilà, cette maladie l'a conduit à la mort, qu'il puisse dire que cette addiction a conduit son fils en prison, qu'il puisse dire que ce problème a détruit sa santé. Seigneur, ne le permets pas qu'il puisse le dire. Seigneur, viens me secourir, et viens me secourir, et viens me secourir de la prison de ce bourreau, viens me secourir de la prison. Seigneur, dans cette entreprise, viens me secourir de la prison, Seigneur mon Dieu, dans laquelle on m'a mis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Seigneur, ne reste pas assis, ne reste pas assis, ne reste pas assis, mais lève-toi, Seigneur, pour me secourir. Seigneur, lorsque toi tu te lèves, tous les ennemis se dispersent. Je prie ce matin, Père éternel, Dieu de gloire, que tu te lèves ce matin et que tous les ennemis de ma vie, tous ceux qui en veulent, Seigneur, à ma vie, tous ceux qui ne veulent pas me voir réussir, tous ceux qui ne veulent pas me voir avancer, tous ceux qui travaillent pour mon échec et pour ma perte, Seigneur mon Dieu, lève-toi, éternel, notre Dieu, Père, et qu'ils puissent se disperser. Lève-toi, Seigneur, et qu'ils puissent quitter. Lève-toi, qu'ils puissent lâcher. Lève-toi, qu'ils puissent s'en aller au nom de Jésus, parce que tu ne règnes pas là où mes ennemis sont. Seigneur, prends le contrôle. Viens reprendre les rênes. Prends les rênes de ma maison. Prends les rênes de ma famille. Prends les rênes de mon travail. Prends les rênes de mon activité. Au nom de Jésus. Afin de faire fuir mes persécuteurs. De faire fuir ceux qui me veulent du mal. De faire fuir ceux qui veulent m'humilier. De faire fuir ceux qui en veulent à ma santé. De faire fuir ceux qui en veulent à ma réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.
Lève-toi. Seigneur, là où toi tu es debout, la maladie est à genoux. Là où toi tu es debout, l'échec est à genoux. Là où toi tu es debout, la sorcellerie est à genoux. Là où toi tu es debout, Seigneur, la mort est à genoux. Elle t'est soumise parce que tu as vaincu la mort. Au nom de Jésus, là où toi tu es debout, Seigneur, la maladie, Père, n'a pas de place. Parce que par tes meurtrissures à la croix, Seigneur, nous sommes guéris. Éternel, tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu, Seigneur, mon Dieu, le blocage. Tu as vaincu les limitations. Tu as vaincu les plans de l'ennemi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lorsque toi tu te lèves, Seigneur, c'est pour me faire sortir. Lorsque toi tu te lèves, Seigneur, c'est pour arrêter ce cycle, Seigneur, de malheur, ce cycle d'humiliation, ce cycle de peur, ce cycle de la honte, ce cycle, Seigneur, des problèmes dans ma maison. Père, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens me secourir, Yahweh, viens me secourir, Yahweh. Seigneur, lève-toi, secours ma fille, oh Dieu, secours ma fille, Seigneur, secours mon fils éternel. Je prie pour lui, je prie pour elle. Ce matin, Seigneur, je prie pour mon époux, je prie pour ma femme. Seigneur, ce matin, je prie, oh Dieu, lève-toi pour nous secourir, lève-toi pour nous secourir, lève-toi pour nous secourir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ramasharenda Mayakai, Ramarama Serebebe Chate Kamaya, Rinda Rabasare Rebesha, Ronda Kayama, Indare Rebesai, Roba Baba Babashi, Indare Besanta Rabaka, Ronda Maya Sarababa, Rekanta Mayaku, Indare Besa, Roba Baba, Indare Besha, Rokanta Mayasi, Indare Rebebe, Roma Shanderebe, Ronta Maya Shai, Reka Maya Baba, Rama Mama, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que tous ceux qui veulent voir ma vie détruite, que tous ceux qui veulent d'une façon ou d'une autre que je puisse échouer, que tous ceux qui veulent que d'une manière ou d'une autre que ma vie n'avance pas, tous ceux qui sont en train de travailler pour ma destruction, Seigneur, qu'ils soient honteux et confus. Bien-aimé, alors que toi tu te lèves le matin dans la prière avec ta foi en Dieu, tu te bats pour ta famille, tu pries pour ta famille, tu veux le meilleur pour ta famille, tu fais tout pour qu'il y ait la stabilité dans ta maison, qu'il y ait la stabilité dans la vie de tes enfants, la stabilité dans tes entreprises, dans ta foi, dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, il y a des ennemis qui veulent seulement que ta vie soit détruite, qui veulent seulement que tu sois, tu perdes tout ce que tu as, qui veulent seulement que tu ne puisses pas avoir le bonheur que tu as, qui ne veulent pas te voir heureux le matin, qui ne veulent pas te voir heureux lorsque tu te couches. Ils veulent que tu sois confus. Ils veulent que toi, tu puisses avoir honte. Nous allons prier que cela retourne contre eux-mêmes. Ils ne veulent pas que ta vie avance. J'aimerais que tu pries ce matin. Tu es en train de prier, tu dis à Dieu, Seigneur, qu'il soit confus et honteux. Bien-aimés, nous sommes en train de prier avec la parole de Dieu. Tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, qu'il soit confus et honteux. Bien-aimés, tu cites les noms, si tu les connais, tu connais par leur nom. Qu'il soit confus et honteux, celui-là qui veut voir cette situation-là, celui-là qui ne veut pas que ce dossier se décante, celui-là qui ne veut pas que j'aie raison, celui-là qui ne veut pas que je puisse récupérer mon bien, celui-là qui ne veut pas que je puisse avoir ce poste, celui-là qui ne veut pas que je puisse avoir droit à cette prestation, qu'il soit confus et honteux. Ils font tout pour que je ne puisse pas accéder à cela. Qu'il soit confus et honteux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rade maya sara baba baba, reka maya sari besai, rama mama mama, linda rebesai, reba baba baba, linda rebesai, darabako, reba.
Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, come on. Élève ta voix, élève ta voix, come on. Eh, ramachare bébé, ikaramasanda yamako, romachinda rebesak, randi yamako, ramana macherebesak, ida karababa, romachare rebesak, ida rebesak, rokantamaya, rekarabasa, remasaraba, reketeke maya, inda remasak, robabababa, imana sere. Rekatamaya, Robababa, Remasarabasa, Rina Rebesa, Rokataba, Père éternel, qu'il soit confus et honteux, qu'il soit dans la confusion, Seigneur total, Père éternel, que le mal qu'ils avaient préparé contre moi se retourne contre eux. Seigneur, ils ne comprennent pas là où ils avaient mis un piège, là où ils s'étaient attendus que par cette porte-là, le malheur va arriver, Seigneur, que la honte va arriver, la déchéance de ce que je fais va arriver, qu'ils soient confus, que les choses changent. Confonds mes adversaires, confonds mes ennemis, confonds ceux qui en veulent à ma vie, confonds ceux qui complotent contre moi, confonds ceux qui veulent ma perte, confonds ceux qui veulent mon échec, confonds ceux qui prient, Seigneur mon Dieu, pour que mon mari échoue, pour qu'un problème arrive dans ma maison, pour que le malheur frappe dans la vie de mes enfants, pour qu'une situation catastrophique m'arrive. Seigneur, confonds-les au nom de Jésus. Que les plans, Seigneur, les scénarios catastrophiques qu'ils ont tracés contre moi retournent contre eux-mêmes, retournent contre eux-mêmes, retournent contre eux-mêmes, retournent contre eux-mêmes. Au nom de Jésus, ce ne sera pas moi qui va perdre. Je ne perdrai pas ma terre, je ne perdrai pas ma maison, je ne perdrai pas mon entreprise. Seigneur, qu'ils soient confus, qu'ils soient confus et honteux. Qu'ils soient confus et honteux. Ceux-là qui avaient préparé, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Seigneur, papa, la potence pour me pendre, qu'ils soient confondus et confus et qu'eux-mêmes se retrouvent, Seigneur, à cette potence, au nom de Jésus. Ceux qui voulaient me livrer, qu'eux-mêmes soient démasqués. Ceux qui voulaient me livrer, ceux qui voulaient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me sacrifier, qu'eux-mêmes soient démasqués, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie, dans le nom de Jésus, toute personne qui s'est approchée de moi, Seigneur, pour me faire du mal, qui s'est approchée de moi pour me faire honte, qui s'est approché de moi pour me faire tomber, qui s'est approché de moi pour m'humilier, Seigneur, qu'ils soient confus, qu'ils soient confus, qu'elles soient confus, que leurs plans ne réussissent pas, que leurs projets ne réussissent pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ramarabasanderebekai, Remacharebe, Rabababa, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui disent on va voir si elle va réussir, on va voir s'il va s'en sortir, si dans ce business-là ça va marcher, rien ne marchera. On va voir s'il va faire quelque chose au poste où on l'a mis. On va voir s'il va réussir à travailler. On va voir. Ils sont en train de grincer des dents en espérant, Seigneur, que le malheur me frappe. En espérant, Seigneur, que je puisse être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, rejeté. En espérant que rien de bon ne sorte. Ils sont en train de préparer comment ils vont me faire échouer. Ils sont en train de préparer comment ils veulent frapper ma maison pour me pousser à tout lâcher. Seigneur Jésus, lève-toi et confonds-les. Confonds-les. Confonds leurs stratégies. Confonds leurs études. Confonds leurs réflexions. Confonds leurs projets. Confonds leurs planifications. Confonds leurs horaires. Confonds leurs journées. Confonds leur nuit au nom de Jésus, qu'ils soient confondus le matin, confondus à midi, confondus le soir, confondus la nuit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frappe-les, Seigneur, de la confusion, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, qu'ils ne se retrouvent plus dans ce qu'ils avaient arrêté, qu'ils ne se retrouvent plus dans les projets qu'ils avaient faits, qu'ils ne voient plus. Seigneur, là où vous avez fait une liste, là où vous avez fait une liste dans laquelle vous avez mis mon nom, Seigneur, fais disparaître cette liste, qu'ils ne la trouvent pas. Là où vous avez mis le déroulement de la journée, Seigneur, qu'ils ont préparé pour me nuire, Seigneur, que cette liste-là disparaisse. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, les personnes qu'ils avaient disposé pour être acteurs dans leurs plans, dans leurs projets. Seigneur mon Dieu, qu'ils ne se présentent pas, qu'elles disparaissent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Confonds leurs plans, Seigneur. Confonds leurs plans, Seigneur. Confonds leurs plans, Seigneur. Confonds leurs plans, Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Fais disparaître tout pion qui devait être utilisé, Seigneur, dans le cadre de l'exécution de leur tâche machiavélique. Au nom de Jésus, fais disparaître toute personne qui a été envoyée, Seigneur, avec la mission, Seigneur mon Dieu, d'être, Seigneur, parmi
parmi ceux-là qui vont, Seigneur mon Dieu, détruire ma vie. Fais-les disparaître. Fais-les disparaître de leurs calculs. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, fais-les disparaître de leurs calculs. Seigneur, lorsqu'ils viendront, qu'ils soient confus. Qu'ils soient confus de voir que leur plan a échoué. Qu'ils soient confus de voir que leur plan a échoué. Qu'ils soient confus de voir que leur projet n'a pas fonctionné. Parce que c'est toi, Seigneur, qui te lèves pour me secourir. Seigneur, alors qu'ils m'attendaient à gauche, fais-moi partir à droite. Alors qu'ils m'attendaient devant, Seigneur, envoie-moi par un autre chemin. Alors qu'ils m'attendaient à un point A, Seigneur, conduis-moi à un point Y. Seigneur, de sorte à échapper de leur filet, à échapper de leur plan, à échapper, Seigneur, de leur projet. Au nom de Jésus, Seigneur, toute personne, tout homme, toute femme qu'on a mis, Seigneur, au devant de ma route, qu'on a positionné, Seigneur mon Dieu, pour que je ne puisse pas le louper, et qu'au travers de cette personne, ou de cet événement, ou de cette circonstance, le malheur arrive dans ma vie. Seigneur, fais disparaître cet événement, fais disparaître cette personne du parcours de ma vie aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Seigneur, afin que mes ennemis soient honteux, et qu'ils soient confus, Seigneur, et qu'ils voient que leur programme, leur projet, leur plan a échoué, a échoué, a échoué, a échoué, a échoué, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, qu'il recule, qu'il recule, qu'il recule, ceux qui méditent ma perte. Seigneur, ceux-là qui méditent ma perte, tous les jours, ils réfléchissent à quelle stratégie ils vont adopter pour détruire ma vie, à quelle stratégie ils vont adopter pour détruire ma famille, détruire mes enfants, détruire mon mariage, détruire mon travail, détruire ma santé. Seigneur, ils méditent le mal contre moi. Père, tu les vois. Je prie, Seigneur, que tu t'élèves encore, que tu t'élèves, Seigneur, que tu te lève, Seigneur, et qu'ils puissent reculer. Parce que lorsque tu te lèves, Seigneur, mes adversaires reculent. Lorsque tu te lèves, mes adversaires disparaissent. Lorsque tu te lèves, mes adversaires font profil bas. Lorsque tu te lèves, Seigneur, ils sont humiliés. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, tous mes adversaires qui complotent, Seigneur, contre moi, ta fille, Seigneur, contre moi, ton fils, contre moi, ton serviteur, moi, ta servante. Seigneur, qu'ils soient humiliés, qu'ils soient humiliés, qu'ils rougissent, et qu'ils soient confondus le matin, qu'ils soient confondus à midi, qu'ils soient confondus le soir, à chaque instant de la journée ou de la nuit, là où ils voudront, Seigneur, accomplir leur plan. Père, que ce soit la confusion totale, que ce soit la confusion totale, au nom de Jésus, ceux qui méditent ma perte, hey, Seigneur, ceux qui méditent ma perte, Seigneur, qu'ils soient confus et confondus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je ne perdrai rien, je ne perdrai personne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas t'élever contre l'esprit de perte, de destruction en ce jour, tout ce qui est de perte, de destruction, tout ce qui est de perte, de destruction, qui emmène la perte, la sécheresse, la destruction, la mort, tout ce qui vient pour enlever, tout ce qui vient pour retrancher, pour retirer ce que Dieu a mis dans ta vie, que cela soit annulé, au nom de Jésus. Tout esprit qui s'élève pour te faire faire des pertes, te faire échouer, faire que tu n'avances pas, que tu tournes en rond, que rien de bon sort. Ce matin, tu es en train de prier, de déclarer, d'annuler cet esprit de perte-là, d'annuler cet esprit de perte. Tu ne perdras rien, tu ne perdras rien, tu ne perdras pas ta vie, tu ne perdras pas tes enfants, tu ne perdras pas ton travail, tu ne perdras pas tes activités, tu ne perdras pas ta promotion, tu ne perdras pas là où Dieu t'a mis. Bien-aimé, tu es en train de prier le Seigneur au nom de Jésus, et tu es en train d'annuler les esprits de perte qui viennent te faire perdre, qui viennent te faire passer à côté, alors que tu l'avais dans tes mains, cela t'échappe. Au nom de Jésus, tu es en train de prier le Seigneur. Alléluia. Ramachare rebesai. Rabarabababa. Eh, randi amase. Rokamaya shandarabakai. Eh, ramamamama. Indareba santa yamako. Randi yamasande rebe. Roba shandaramase. Ikante kerebesai. Roba bababa. Indarebesai. Ronda mayasa. Rekanta kamaya. Ikarebe rebesai. Rema santa yaba. Indarebe rebe. Ramachare bebe. Indaramama. Ronda mayase. Eranda kayaba. Roba santa yaba. Indarebesai. Roka mamama. Indarabababa. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom.
nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Et que mes ennemis soient confus. Et que mes ennemis soient confus. Seigneur, je ne perds rien. Je ne perdrai rien. Seigneur, je ne perdrai pas ma vie. Mes enfants non plus. Mon mari non plus. Dans ma famille non plus. Seigneur, tout ce qui a été fait pour me faire perdre mon travail. Seigneur, mon Dieu, que cela ne réussisse pas. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne perdrai pas, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, la position là où tu m'as mis, je ne perdrai pas le travail que tu m'as donné. Je ne perdrai pas ma santé. Je ne perdrai pas, Seigneur, mon mariage. Au nom de Jésus. Il m'est dit que je puisse le perdre, mais je ne le perdrai pas. Je brise, Seigneur, l'esprit de perte. Je chasse l'esprit de perte. Je chasse l'esprit de soustraction. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mis en place pour que je puisse perdre, pour que, Seigneur, tout me soit soustrait. Je refuse cela au nom de Jésus. 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 Ramachara bababa. Remasandiaba. Randi yamako. Ramana machende rebesa. Ramama mama. Ikare kente yaba. Remasanda yaba. Remasanda yaba. Je refuse la perte. Je refuse la perte. Toute forme de perte. Seigneur, quelconque en ce jour. Seigneur, je refuse cela. Seigneur, je ne perdrai pas de l'argent. Je ne perdrai pas mon porte-monnaie. Tout ce qu'on a fait pour me faire perdre mon porte-monnaie. Je ne perdrai pas ma promotion. Seigneur, la promotion qui est sur la table du chef en train d'être signée, je ne la perdrai pas. Au nom de Jésus-Christ. Ma promotion, Seigneur, Père qui est préparée, je ne la perdrai pas au nom de Jésus. Mon élévation, ma stabilité, Seigneur, je ne la perdrai pas. Ce poste, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, je ne la perdrai pas. Au nom puissant et précieux de Jésus. 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 Rateba yashara baba. Roma sanda yamaka. Rema sharinda mayase. Rokansa mayasai. Rinda rebe santa yama. Rokare kansa yaba. Riba baba baba baba. Hey. Raba sharebe sai. Hey. Rokansa mayasai. Au nom puissant et précieux de Jésus. Je ne perdrai pas, Seigneur. Ce matin, tout esprit de perte, je te chasse maintenant, au nom de Jésus, 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 tout ce qui est mis en place pour qu'on me vole, pour que je me rencontre avec des bandits, que je me rencontre avec des mauvaises personnes, que je tombe dans des embuscades, qu'il m'arrive, Seigneur mon Dieu, des occasions, que je me fasse voler mon sac, je me fasse voler mon porte-monnaie, je me fasse voler mes affaires. Seigneur, maintenant, je refuse cela au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prophétiser. Tu vas dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent cette journée. J'aimerais que tu parles à Dieu et que tu dises, Seigneur, que durant cette journée, le bonheur et la grâce. Donc une journée de joie totale à tous les niveaux, à toutes les dimensions. La grâce de Dieu sur toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Que ça te rende gracieux, ça te rende agréable, ça te rende belle, beau, ça te rend jovial, ça te rend recommandable, ça te rend acceptable partout. Tu vas prier que le bonheur et la grâce soient ton partage aujourd'hui. Tu es en train de... Bien-aimé, c'est ta propre vie. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Tu parles sur toi-même. Tu dis le bonheur et la grâce. Moi, je ne veux pas hériter de la malchance de ma famille. Je ne veux pas hériter des malheurs qui arrivent aux gens de ma famille là au mois de février. Je ne veux pas hériter de toute forme de problèmes qui arrivent en ce jour. Moi, j'ai le bonheur et la grâce aujourd'hui. Et que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent aujourd'hui. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Reba, ba, 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 ba. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Comment? Et Ramachari. Mayasa, Robo Shaketere Kebasata, Yamarinda Mara Sarebeka, Rabababa Shindere Rebe Sarababaka, Endarinda Maya Shari Rebe Santa, Rima Mama Shindere Rebe Sarabako, Rinda Raba Shinda Raba Sere Rebeka, Inda Rebe Santa Yaba. Je prie, Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagnent, Seigneur, durant cette journée, au nom de Jésus. Père, cette journée est une journée de bonheur pour moi, pour ma maison, pour ma famille. Seigneur, au nom de Jésus, à tout point de vue, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Mon nom, Seigneur, lié au bonheur, lié à la grâce, lié à la faveur, lié aux avantages, lié aux percées, lié à la réussite, lié à la stabilité, lié à la
l'avancement lié à la localisation divine. Au nom de Jésus, le bonheur et la grâce, Seigneur mon Dieu, là où je vais, que je sois, Seigneur mon Dieu, m'aura repéré, que je sois vu, là où mon dossier doit être traité, que ce soit favorable à moi, Seigneur. Tu es mon piston, tu es celui, Seigneur, qui me pousse, tu es celui qui me favorise. Au milieu, là où les décisions se prennent, que ce soit moi, Seigneur, au nom de Jésus, que mon nom apparaisse, que mon nom apparaisse, que mon nom apparaisse. Au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as ton offrande, ta dîme, l'action de grâce que tu aimerais, bien-aimé, donner au Seigneur. Que les bergères puissent mettre les différents contacts par lesquels les personnes qui veulent faire leur offrande, qui veulent apporter un soutien, qui veulent faire un service, peuvent le faire. J'aimerais que tu pries avec moi, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie et je te recommande, Seigneur, cette offrande, cette dîme, ce service que je viens avec dans ta présence, entre tes mains. Je prie qu'il soit béni, qu'il soit sanctifié. Que ce soit, Seigneur notre Dieu, le point de contact qui va activer la puissance et la gloire de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus, manifeste ta gloire. Bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, les sources de provenance et multiplie dans les greniers. Seigneur, nous menaçons les dévoreurs, nous menaçons, Seigneur, les esprits d'échec et les pertes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Numéro des bergères, plus 596-56-03. Je répète, 596-56-03. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous avez ce contact-là pour tous les services, souhaiter des orientations. Vous pouvez écrire à ce numéro-là. Nous avons aussi une grande manifestation. C'est un grand brunch, un moment de rencontre, de communion fraternelle entre sœurs le 9 mars à Paris. Vous pouvez également vous inscrire auprès des bergères du numéro de téléphone que j'ai donné. Inscrivez-vous déjà maintenant. Les places sont limitées. L'entrée est libre. L'entrée est libre, elle est gratuite. Nous allons partager des moments puissants dans la prière, dans le partage. Nous allons aussi avoir un moment de repas ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, venez simplement par votre présence. Le Seigneur manifestera sa puissance et sa gloire dans ce moment. Ce sera un moment fort. Invitez vos sœurs qui ne sont même pas peut-être du ministère. Vous pouvez les inviter. C'est l'occasion que nous puissions partager, prier, poser des questions. Vous avez des questions précises. Nous allons pouvoir partager ensemble. Ce sera vraiment un moment exceptionnel, exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse journée dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Les bien-aimés de la Martinique, David se trouve en Martinique pour tout entretien, pour les moments de prière. Contactez également ce numéro-là où nous allons passer des moments puissants ensemble dans la présence de Dieu. Dieu vous bénisse, la paix et la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez revêtus de la puissance de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien, une merveilleuse journée. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis par la grâce du Seigneur à demain pour notre temps de prière matinale dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Shalom, bye bye, shalom, shalom. Bonne journée.